Adi Bhaktisiddhanta Sarasvati Chidamini. Shivarshabhanavi Devi Dhaitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dhaine Prabhave Namaha Madhyoshvara Premaja Shirupanuga Bhaktida Shigora Karuna Shakti Viglayana Mostute Namaste Gola Vani Shimulta Yedi Nataline Rupanuga Virudapa Siddhanta Vanta Harine Namo Gola Kishoraya Satchat Vela Ghamultaye Viparambara Sambhode Padambhujaye Tidama Namo Bhakti Vinodhaya Satchitandha Namine Gola Shakti Swarupaya Rupanuga Valayate Gora Verba Vabun Med Vamni Desha Sajjana Priya Vishnava Saroma Shaganate Namaha Shri Chaitanya Mado Bistam Stapitam Nina Bhutale Soyam Rupa Kadamayam Dadati Swam Paramtik Vansha Kalpa Taru Vyacha Kripa Sindhu Vyare Vacha Patitanam Pavane Vyo Vaishnavi Vyo Namo Namo Samoham Savabhuteshu Navivisu Sinapniam Nibajant Mabhaktamaiteshu Shapyaham 9.29. Je suis égal envers tous les êtres vivants et ne suis ni hostile ni partial envers quiconque. Mais comme ceux qui me servent avec dévotion sont attachés à moi, je suis moi aussi lié par l'affection que j'ai pour eux. Commentaire. Shilavijvachai Thakur dit qu'Arjuna pourrait se poser ces questions. Ô Krishna, en amenant tes dévots près de toi, tu leur accordes une libération spéciale, mais tu ne fais pas cela avec ceux qui ne sont pas tes dévots. Cela pourrait signifier que tu es partial. Est-ce que là n'est pas un symptôme du défaut de la partialité qui est engendré par l'attachement et l'envie? En réponse à ces questions, le Seigneur suprême énonce ce verset. Le Seigneur a une vision égale, il ne hait personne et personne ne lui est cher. Il crée et maintient les humains et tous les autres êtres selon leurs actes passés. De cette manière, il leur accorde des résultats différents. Ainsi, certains doivent souffrir, se réjouir ou être libérés selon la qualité de leurs actes. Comment comprendre qu'il n'y ait pas un défaut de partialité de la part du Seigneur? C'est une question qui revient souvent. L'âme libérée peut voir la réalité. Il peut comprendre que le Seigneur est une réalité. Il peut parler avec le Seigneur. Il peut toucher le Seigneur. Que ce soit à travers la déité, il y a différentes qualifications de dévots. Certains peuvent chanter un bhajan pur et dans leur corps transcendantal, voir le Seigneur, servir ses pieds, masser ses pieds. Par exemple, Krishna et Balaram ont un nombre illimité d'amis,
de vaches et une grande diversité d'endroits hein, sont manifestés à Vrindavan pour que Krishna puisse se divertir, se baigner avec ses amis, jouer à des jeux de ballon, à des jeux de cordes. Plein de sortes de jeux existent. Et parfois, bien que le Seigneur n'est pas sujet à la souffrance, à la défaite, à la fatigue, hein, au sommeil, à la faim, l'amour est bien au-delà de cette conception de Dieu. Hier, je regardais un petit partie d'un documentaire de la vie d'un saint, et sa conclusion, c'était que Dieu pouvait pas être dans un temple ou pas être manifesté sous la forme d'une statue, et qu'il était au-delà de tout. C'est une réalité. La conception du Gani. Gani, ça veut dire l'opulence. Mais l'amour est bien au-delà encore. La conception de l'amour est bien au-delà. Ça veut dire que l'amour que Krishna peut se manifester, on peut le toucher, on peut l'habiller, on peut le nourrir. Krishna peut dépendre de nous. C'est bien plus élevé. Hein. C'est pour ça que celui qui voit le Seigneur comme le grand, il voit rien. Le Seigneur reste très loin. Mais celui qui est touché par l'amour et qui, dans son cœur, il peut pas accepter que Krishna soit grand. Il pense, j'ai vu cette personne. Elle était tellement belle, tellement douce. J'ai pas ressenti de peur, j'ai ressenti un attrait. J'ai ressenti que je voulais l'aimer. J'ai ressenti que je voulais l'embrasser. J'ai ressenti que je voulais, avec l'amour qui émanait de moi, lui. C'était comme un baume. Et je voulais toucher les membres de son corps. J'ai senti qu'il m'appartenait. Vous comprenez? C'est par un tel amour que Krishna se donne. L'amour impersonnaliste, où Dieu n'a pas besoin d'associer, n'a pas besoin de maison, qu'est-ce qu'ils voient? Ils peuvent peut-être sauver un malade. Et alors, une fois que le malade il est sauvé, ils pensent qu'il est score. Ils peuvent pas éveiller l'être à l'intérieur du corps. C'est pour ça que cette conclusion-là, elle peut pas être la plus élevée. Elle est véritable. Parce que le Seigneur est aussi comme ça. Il est aussi impersonnel, il est aussi une personne. Il est le maître de tous les pouvoirs mystiques, il peut aussi guérir les malades. Mais il y a bien plus élevé que ça. Et c'est ça le message de la Bhagavad Gita. Parce que finalement, qu'est-ce qu'a dit Krishna? Savadhanam paitajam ekam shanam vajam. Il laisse tout ça. Parce qu'on peut pas m'atteindre par ça. Tu peux pas me connaître par ça. Qu'est-ce que Krishna a expliqué à Arjuna? Mais si tu veux me comprendre, il faut que tu penses à moi, que tu m'aimes, mais d'une manière douce. Nishingadev, il a repris Prahlad, il dit, laisse ce sentiment de crainte, laisse. Alors c'est difficile de pas avoir de la crainte, Nishingadev, des milliers de bras à l'ébol, une langue acérée, des yeux qui sont comme le feu, et tellement, et le Seigneur rugit et en colère, que même la déesse de la fortune n'ose même pas approcher. Tous les demi-dieux ont les corps qui tremblent, il y a du sang partout, des milliers de morts. Au point que quand le Seigneur Nishingadev, il a éventré Hiranyakashipu, il a mis même son intestin autour de son cou.
une guirlande d'intestin. Il a pris son cœur et après il l'a jeté. Si vous voyez ça, ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile de ne pas avoir peur. Hein? Parce que théoriquement, Nishingadev, c'est l'antipode de la douceur. C'est la colère de Dieu. Le Seigneur vient parce que quelqu'un fait du mal à son dévot. Mais en même temps, c'est plein d'amour. La colère du Seigneur, elle est pleine d'amour. Or, personne ne voulait aller se présenter devant Nishinga. Personne. Donc Brahma, il a demandé à Prahlad d'aller voir le Seigneur. Parce qu'après tout, c'était à cause de lui qu'il était apparu. Prahlad, il avait 5 ans. Et qu'est-ce qu'a fait Prahlad? Il n'avait pas peur, Prahlad. Il n'avait pas peur. Il s'est approché et il a rendu ses hommages de tout son long au Seigneur. Et quand le Seigneur a vu ça, sa colère est partie. Et son cœur a fondu par amour pour son dévot. Il l'a pris sur ses genoux et il l'a léché. Comme une lionne, elle lèche son enfant. Tellement le corps d'un dévot est merveilleux, tellement le principe de la dévotion est tellement élevé dans le corps de son dévot, hein, que le Seigneur a léché le corps de Prahlad. Hein. Et certainement, le Seigneur a goûté une joie illimitée en ça. Illimitée. Hein. Déjà, quand son dévot lui offre une offrande, il la vole. Hein. Que dire s'il lèche le corps de son dévot? On les compte? Hein. Et Nishinga, il a voulu tester Prahlad. Il lui a dit, il lui a proposé des biens matériels. Il a dit, oh Seigneur, ne me triche pas. N'essaie pas de me tromper. Qu'est-ce qu'il a demandé, Prahlad? Le service du pur dévot, Narada Muni. Comme Dhruva Maharaj. Parce que finalement, pourquoi le Seigneur apparaît dans notre vie? Parce qu'on a rencontré un dévot. Sans ça, où serait le Seigneur? Pourquoi les gens parlent comme des impersonnalistes? Parce qu'ils n'ont jamais rencontré un pur dévot. Tous ces prédicateurs impersonnalistes qui pensent que le Seigneur est juste la puissance. Ils peuvent pas comprendre le principe de la dévotion. C'est pas possible pour eux. À moins de rencontrer un Bhakta et de le servir. D'écouter de sa bouche les gloires du Seigneur suprême. Et surtout de mendier la miséricorde, alors, il peut pas avoir de succès. Qu'est-ce que c'est le symptôme du succès? C'est de comprendre notre condition. L'humilité viendra en comprenant notre condition. L'humilité se manifestera si on comprend qu'on a besoin de la miséricorde des Vaishnavas, elle pourra pas se manifester autrement. Si vous n'avez pas besoin
vous serez orgueilleux. Mais qu'est-ce que fait Krishna? Krishna organise, s'occupe de chacun, parce qu'il est dans le cœur de chaque être vivant. Il peut être avec chacun, personnel, et à la fois être dans sa planète, être dans ses divertissements. Le Seigneur est illimité. Il peut avoir un nombre de dévots illimités, de relations illimitées, de formes illimitées, de sentiments illimités, parce que finalement, comme le Seigneur et ce sentiment ne font qu'un, quand il manifeste de la douceur pleinement, il est Krishna. Et quand il commence à manifester de l'opulence, alors il devient jusqu'à Narayan, le Seigneur suprême. Vous comprenez? Mais c'est très difficile de comprendre toutes ces choses. S'il n'y a pas la miséricorde des dévots. Imaginez-vous qu'on vous parle de ça sans la miséricorde des dévots. Imaginez que là, vous pouvez enlever la miséricorde des dévots. Vous allez lui dire, mais c'est quoi cette fable? Je me retrouve dans l'endroit de fou. C'est tout ce qu'on va penser. Comme tous les matérialistes. Mais donner la miséricorde aux matérialistes en leur donnant la possibilité de s'associer avec un pur dévot, alors ils deviennent des Vaishnavas. C'est pour ça que Narottam Das Thakur, dans Partana, il dit, hein, il explique qui est plus miséricordieux qu'un Vaishnava. Simplement en le voyant, nos péchés en vont. Il dit, le Gange, il faut se baigner pour atteindre la pureté. Un Vaishnav, il suffit de se baigner une fois dans sa miséricorde pour être pur. C'est ce que dit Narottam Das Thakur. Qui peut comprendre la puissance d'un Vaishnav? Vishvat Shri Thakur, il explique que dans le cœur d'un Vaishnav, les divertissements du Seigneur s'accomplissent. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en ce moment, dans son cœur, il voit Radha et Krishna au Krishna Balaram. Au Krishna et Maria Yashoda. Plein de façons d'aimer Krishna. Selon les rasas. Et ça se passe dans son cœur. Donc la position d'un Vaishnava, elle est inconcevable. Elle est inconcevable. Parce que Krishna se divertit en ce moment à Golok Vrindavan, il se divertit à la fois dans un univers matériel et il se divertit dans le cœur des Vaishnavas. C'est inconcevable. C'est pour ça l'avenue d'un Vaishnav, d'un grand Vaishnav, c'est pas ordinaire. C'est obligé d'avoir un effet sur la planète, sur tous les gens, partout où il passe. Partout où il passe. De la même manière, quand Krishna se déplace, partout où il va, tout devient de la couleur de l'émeraude. Et quand Shrimati Radharani, elle passe, tout devient de la couleur de l'or. C'est pour ça que quand Krishna, parfois, il arrive à un endroit et il voit que tout était la couleur de l'or, il se dit, oh, il ne reconnaît pas l'endroit. Et il sent en lui-même des émotions illimitées. Hein? Et là, naturellement, il voit hein, son objet d'affection se manifester. De la même manière, quand un Vaishnav marche, tout devient transformé. Un matérialiste ne peut pas voir ça, mais un dévot du Seigneur peut voir, parce qu'il ne peut pas marcher sur la matière. Un Vaishnav ne peut pas marcher sur la matière. Partout où il se déplace, Krishna le suit. Golok Vrindavan le suit. Partout. C'est pas possible qu'il marche sur la matière. Les associés du Seigneur, ils peuvent pas rentrer en contact avec la matière. C'est pas des jivas ordinaires. Ils font pas partie de l'énergie marginale du Seigneur suprême. Ils font partie
La chit-chakti, l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est pas la même catégorie d'être vivant. Ils peuvent pas être touchés par la nature matérielle. C'est pour ça qu'on peut pas venir du monde transcendantal. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivedanta, Bhaktisiddhanta, par exemple. Upa Goswami, Sadatana Goswami, ils ont jamais été conditionnés. Jamais. Ils peuvent pas être touchés par la matière. Arjuna peut pas être touché par la matière. C'est pour ça qu'on vient pas de Goloka Vrindavan. C'est une absurdité de dire qu'on vient du monde spirituel. Parce que ça veut dire qu'on dirait que les associés du Seigneur peuvent devenir conditionnés par la matière. Or, aucun acharya dit ça. Aucun. Aucun. Que ce soit Bhaktivedanta. Aucun. Ils peuvent prendre certains mots comme les chrétiens, ils pensent que le jardin d'Éden, par exemple, c'est le monde transcendantal. C'est les planètes édéniques, simplement. Hein? Mais, la vérité, c'est que dans nulle part, Bhaktivedanta, il dit que un associé du Seigneur peut devenir conditionné par la matière. Quand il parle de Jaya Vijaya, hein, c'est un lila, en fait. Aucun associé. Le Seigneur. C'est pour ça que on fait partie de ce qu'on appelle l'énergie marginale. Shri Bhaktivinoda Thakur explique ça. Après, si un Vaishnav pense ça, c'est pas faux. Voilà. C'est une mauvaise compréhension. C'est pas pour ça qu'il peut pas progresser. Mais naturellement, À un moment, on réalise qu'on n'est pas un associé du Seigneur. Parce que l'associé du Seigneur, comme dit Bhaktivinoda Swami Prabhupada, quand il parle, par exemple, d'Uddhava, il dit qu'il a jamais oublié Krishna. Il dit que c'est le symptôme de Nityasiddha. Associé du Seigneur, ça veut dire éternellement libéré. Ça veut pas dire éternellement conditionné. C'est absurde de mélanger les deux choses. C'est complètement, c'est inconcevable. Que ça apparaisse. Hein? C'est pas possible. Parce que c'est pas rationnel. Hein? Krishna, il envoie pas ses dévots dans mon matériel. Il les laisse pas souffrir. Simplement, quand ils viennent, c'est pour accomplir une mission. Comme Bhaktivinoda Thakur. Comme Bhaktivedanta, comme Bhaktisiddhanta. Ils ont tous accompli des missions. Hein, pour des lilas particuliers. Hein. Mais jamais ils ont été comme nous dans l'ignorance. Hein, à oublier véritablement notre condition. Hein. C'est pour ça qu'on peut jamais dire qu'on est des éternels serviteurs du Seigneur suprême. C'est pas possible. On peut devenir libéré et devenir un associé du Seigneur en suivant la pratique spirituelle, la sadhana bhakti. Mais comme Dieu n'oublie jamais qu'il est Dieu, un associé du Seigneur n'oublie jamais qu'il est un associé du Seigneur. Simplement, parfois, l'énergie interne, Yoga Maya, recouvre les associés du Seigneur pour un lila particulier. Alors, ils peuvent devenir des démons, mais c'est un lila particulier, un divertissement particulier. Hein? Donc, Krishna, lui, il envie personne. Il ne favorise personne. Ça, c'est un indice qui est important pour nous. Ça veut dire quoi, Kamala Manjari? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il favorise personne et qu'il n'envie personne, ça veut dire qu'il est réciproque avec nous. Or maintenant, si on médite qui on est, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Et si on calcule combien d'années je suis dévot, et qu'est-ce qui est parti en tant d'années? Si on fait un autre calcul, combien de vies il va me falloir pour que tout parte?
Bahunam Javante, Gyanavam Papadante, Vasudevam Savaiti, Satmatma Sotulaba. À ce rythme-là, il faudra des millions d'existences. Pas facile. Si on fait un petit calcul comme ça, pas évident, hein. On a vu des purs dévots. On chante le Saint-Nom, hein. Mais il y a encore des choses en nous. Des mauvaises choses. Hein, beaucoup de mauvaises choses. Hein. Donc, si le Seigneur n'est ni favorable, ni envieux, il y a tamam prabhadante tansavajama, et qu'il est réciproque avec les êtres, alors comme on a un pesa d'amour pour Dieu, un centime d'amour pour Dieu, alors c'est pour ça que il n'y a pas grand chose qui se passe dans notre vie spirituelle. Ce matin, par exemple, si on prend notre chant, est-ce que Krishna nous est apparu? Oui, oui. Allez, là, c'est qui ça se voit? Ah oui. Hein? Mais est-ce que on s'en est inquiété? Est-ce qu'on a versé une larme? Est-ce qu'on s'est lamenté? C'est ça qu'on devrait savoir. Qui s'est lamenté ce matin véritablement? Au point de plus vouloir vivre? Hein, comme Narottam Das Thakur nous apprend, comme Bhaktivinoda Thakur nous apprend dans ses chants? Personne. Donc pourquoi Krishna viendrait? Puisqu'on ne pleure pas pour qu'il vienne. Maintenant je vous pose cette question. Est-ce que véritablement vous pensez que Krishna va venir dans votre vie? Il est déjà là. C'est comme si que quelqu'un vous avait invité chez lui, mais vous ne voulez pas voir celui qui vous a invité. Voilà notre condition. On vit dans un temple, on sert la déité, on a abandonné notre vie, mais on a pris le royaume de Dieu pour nous de nouveau. Voilà notre condition. Si je dis à quelqu'un, par exemple, de quitter sa chambre, il va dire, c'est ma chambre. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on est revenu dans la maison du Seigneur et il aurait tout piqué. Donc on voit pas, on voit que la matière. Pas la miséricorde. C'est pour ça qu'on pleure pas. C'est une réalité. Eh ouais. Parce que, si vous avez un petit appart à côté encore, c'est plus facile. Mais l'appart, il est à qui? Il est à Krishna? Il est à vous? La petite maison à côté, c'est la même chose? Hein? On n'est pas si mal finalement dans ce monde. C'est des fois galère. Mais si on pleure pas parce qu'on n'a pas vu Krishna, ça veut dire qu'on n'est pas si mal. Je vois les gens se plaindre. Par exemple, les gens viennent se plaindre à moi. C'est pour ça que j'apprends des êtres, parce que les gens ils viennent pleurer parce qu'ils sont mal dans ce monde. Donc je vois la réalité de ce monde. Mais ils pleurent pas pour Krishna. Je trouve ça vraiment étrange. Ils disent tous qu'ils sont malheureux, tous qu'ils souffrent, incroyable, mais j'en vois pas un pleurer pour Krishna. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça la puissance d'illusion du Seigneur suprême. Bien qu'on galère dans ce monde, on veut cette indépendance quand même. Mais il faut voir, moi je vois des gens qui souffrent, mais et pourtant ils pleurent pas. Ils pleurent pour leur femme, ils pleurent pour leur mari, pour leurs enfants, ils pleurent pour avoir une meilleure situation matérielle, mais ils pleurent pas pour avoir une situation éternelle. Donc, le résultat c'est quoi? Bien qu'on ait chanté ce matin, on n'a rien vu, on n'a pas versé une petite larme. On ne s'est pas lamenté. Qu'est-ce que dit Krishna? Il dit bien que je sois impartial, celui qui m'aime, je l'aime en proportion.
Donc si vous apprenez à pleurer, Krishna va vous écouter. Il va être attiré, il va regarder. Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il donne cet exemple avec Draupadi. Quand Draupadi s'est fait déshabiller par Dushasan dans la salle. Il était à son palais à Dwarka, Narayana Maharaj dit. Et là, Rukmini, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On m'appelle, mais cette personne n'est pas complètement abandonnée. Parce que Draupadi, elle retenait son sari entre les dents. Elle n'était pas abandonnée complètement, Krishna. Mais quand même, Krishna est attentif, elle m'appelle. Au moins ça, au moins on peut pleurer, on peut appeler Krishna. Et graduellement, alors on apprendra à s'abandonner. Et Draupadi, après ce qu'elle a fait, elle a lâché son sari et elle s'est abandonnée à Krishna, elle a levé les bras. Et là, Krishna est venu l'aider. À travers les chants de Bhaktivinoda Thakur, à travers les chants de Lautam Das Thakur, c'est la seule chose qui nous est enseignée. L'abandon. Et le service des Vaishnavas. C'est les deux choses qui sont enseignées. L'abandon, le repentir, l'abandon et le service des Vaishnavas. C'est pour ça que Narottam Das sont apparus, Bhaktivinoda Thakur sont apparus pour nous apprendre. Et tous citent les chants de Narottam et Bhaktivinoda. Tous. On chante tous leur gloire. Donc, on devrait méditer sur notre condition. Bien que tous les jours on en parle, ça aussi c'est mystique. Le lendemain, si vous posez la question, ils ont tous fait la même chose. Ils ont chanté, pas une larme, pas de repentir. Ils sont passés à autre chose, comme si c'était un rituel. Vous les voyez, ils ont rien goûté, mais ils sont heureux. C'est fort. C'est très puissant, l'illusion. Ils ont rien goûté, ils chantent leur tour n'importe comment, même pas le moindre désir, quoi que ce soit, mais ils sont tous heureux. Ils pensent que une fois qu'ils ont chanté 64 tours, hop, c'est fini. Voilà. Ils ont fait leur devoir. Que dire de 32? Que dire de 16? Il y en a même qui chantent même pas 16, 8. Il y en a qui chantent même pas 8, 4 par jour. Pas évident. Alors, c'est pas le nombre de tours qui compte, bien sûr. Mais il y a une chose qu'on est sûr, c'est que si on progresse dans nos tours, ce sera difficile d'arrêter de chanter. Parce qu'on percevra quelque chose de supérieur. Or, dans cet âge, comment le Seigneur réciproque? Chaitanya Mahaprabhu est venu nous enseigner ça. Il est venu nous enseigner. Hein? Dans le monde transcendantal, Krishna, il joue de sa flûte. Mais dans l'âge de Kali, ce même Krishna, il chante le saint nom. Donc si on veut véritablement comprendre le Seigneur suprême et comprendre comment servir ses dévots, la chose qui fait plus plaisir aux dévots, c'est chanter. La qualité du chant. Si vous vous efforcez à bien chanter, alors un Vaishnav sera content. Si vous entend chanter et qu'il entend des pleurs dans votre chant, vous toucherez son cœur. Il n'y a pas meilleur moyen de toucher le cœur d'un Vaishnav. C'est pour ça que le meilleur service qu'on peut offrir à un Vaishnav, c'est de chanter. Et c'est vrai.
Une fois Bhaktivedanta, les disciples lui ont posé la question, comment on peut vous faire plaisir? Et finalement, il a demandé de développer l'amour pour Krishna. Hein? Et l'amour pour Krishna, dans cet âge, on le développe en chantant. Notre chant doit être pur. Notre désir doit être pur. On doit comprendre pourquoi on chante. Quel est le but de la vie. Et pas juste chanter et poser le japa et passer à autre chose. Comme si c'était juste un rituel. Vous comprenez ? On doit continuer à chanter mentalement dans nos activités. Et pas perdre de temps à parler de prajalpa, de choses qui n'ont rien à voir. On doit s'aider les uns les autres, machita. Hein? On doit s'aider les uns les autres à progresser. C'est quelque chose qui est important. De cette manière, alors on attirera Krishna. Qu'est-ce que c'est un ami? Krishna, il a dit à Arjuna qu'il lui donnait cette connaissance, parce qu'il n'était pas envieux. C'était un ami. Avant tout, un ami, c'est quelque chose qui fait ce que l'autre personne aime. Or, qu'est-ce qu'a dit Krishna? Il a dit, celui qui enseigne la Bhagavad Gita à mes dévots est la personne qui est la plus chère. Et nul ne me sera jamais plus cher. Donc, on comprend aussi que prêcher, c'est ce qui touche le cœur, Krishna. Et c'est ce qui touche le cœur à ses dévots. Parce que comme ses dévots, c'est des amis de Krishna, ils font ce que son ami le veut. C'est vrai. C'est pour ça qu'on voit des grandes personnalités comme Bhaktivedanta, Swami Maharaj Prabhupada, ou Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, par exemple, ou d'autres, ils prêchaient. C'est pour ça que l'offense le plus grave, c'est d'envier un dévot qui prêche. C'est pour ça qu'on doit faire particulièrement attention lorsqu'on voit ces dévots qui traversent le monde, qui voyagent partout pour répandre les gloires du Seigneur. On ne doit pas être envieux. On doit faire attention. Alors peut-être que tous peuvent pas nous plaire, parce qu'il y a différentes humeurs. Vous comprenez? Il y en a qui sont tranchants, il y en a qui sont doux. Il y en a qui sont vraiment parfois même juste dans un camp, contre d'autres personnes, etc. Mais on doit avoir le bon respect. Parce que sans ça, naturellement, on ne pourra pas devenir l'ami de Krishna. Si on ne respecte pas tous ses amis, on ne pourra pas être introduit dans ce monde transcendantal. Hein? Bon, on va s'arrêter là. Oh, t'as demandé. Oui. Ouais. Alors, un petit divertissement par Soudan Vibra. Bah, comme Shri Bhakti Chandanyati Maharaj, il parlait de ce sujet-là. Un jour, Shri Acharyadev, il expliquait à la madre de Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il engageait beaucoup de Vaishnavas à prêcher. Et à distribuer des magazines quotidiens dans la rue, et le dévot faisait beaucoup de services, il dormait peu, il demandait même aux dévots, en plus de leur service, de chanter 64 tours, et certains dévots avaient vraiment du mal, même le soir, ils arrivaient, ils rentraient, et certains avaient du mal à finir leur japa, et puis il y avait ce grand Vaishnav, Krishnadas Babaji Maharaj, qui était à la mat, et lui, il restait toute la journée dans sa chambre à chanter le Mahamantra, il faisait que ça, que ce service-là. Et Acharyadev, il explique, donc certains dévots sont allés voir Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, et ils lui ont dit, mais ouais, nous on fait tellement de services, Baba Babaji Maharaj, lui, il est dans la chambre et il chante le Mahamantra, et Bhaktisiddhanta, il a dit, ok, si vous voulez, vous pouvez aussi faire comme Babaji Maharaj, vous pouvez aussi chanter toute la journée, mais la même qualité de chant qu'il fait. Alors les dévots, ils ont essayé pendant quelques jours, et ils sont retournés voir, Acharyadev explique, ils sont retournés voir Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada et ils lui ont dit que
ils pouvaient pas continuer à faire ça et ils sont retournés à faire leur service que leur demandait leur maître spirituel de prêcher, comme expliquait Shri Bhakti Chandanyati Maharaj. Les Vaishnavs permettent aussi aux disciples de prêcher et certains, comme Shri Bhakti Siddhanta, il disait qu'il appréciait que son service à Shri Babaji Maharaj était incommensurable parce que son chant était complètement pur. En fait, il y a une réalité aussi. Alors, je sais pas qui est venu voir Bhaktisiddhanta. C'est pas pour parler de personne. Enfin, pour offenser aucun Vaishnav. Mais, Nirjal Bhajan, ça veut dire juste chanter 24 heures sur 24, c'est fait pour des âmes éternelles libérées, quoi. Hein, des êtres qui sont dans leur corps transcendantal. Alors, tant qu'on n'a pas ce niveau-là, on peut pas chanter toute la journée. Et à un moment ou à un autre, les choses vont venir dans notre mental, on pourra pas. Il faut déjà, Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'on doit déjà purifier son cœur par l'action. Car celui qui renonce à l'action, sans avoir le cœur purifié, il se sentira mal. En fait, Krishna Babaji Maharaj avait cette qualification. Il pouvait fermer ses yeux et voir Radha et Krishna. Donc il pouvait cesser d'agir. Mais les autres, alors d'autres Vaishnavas ont essayé dans plein de moments de partir sous un arbre et se couper l'association des dévots et juste chanter en fait. Et puis petit à petit, ils ont vu leur dévotion diminuer en fait. C'est pas si simple que ça. Donc on a besoin de faire notre devoir prescrit qui est donné par le pur dévot pour purifier notre cœur, hein. Et à partir de là, quand le cœur devient complètement purifié, alors on pourra chanter 24 heures sur 24. On n'aura plus besoin de manger, on n'aura plus besoin de dormir, ni de boire. On pourra juste chanter. Hein. Donc, bien qu'ils ont pensé, peut-être pas eux, mais bien que certains pensent parfois que des Vaishnavas qualifiés qui chantent tout le temps, ils font pas de service. En fait, ils font un service dans le monde transcendantal, premièrement, donc c'est pas qu'ils font pas de service, mais ils ont une qualification spéciale. Donc Krishna, il fera l'arrangement pour que si on veut prendre leur place, on se sentira pas bien. On réalisera que c'est pas des gens ordinaires. Et qu'on peut pas, voilà, ils sont à leur place comme ça. Ils enseignent, ils viennent pour quelque chose de particulier. Bah ouais, c'était pas quelqu'un d'ordinaire. D'ailleurs, il était très ami avec Bhaktivedanta. Quand il venait, en fait, Bhaktivedanta, pourtant, il avait plein de gens qui venaient le voir. Il délaissait tout.